Ma mère avait un nom qui s'appelait Ernest. C'était vraiment un drôle de personnage. Certains le prenaient pour un génie. D'autres disaient qu'il était carrément cinglé car il passait son temps à faire des choses inutiles, par exemple élever des insectes, compter les étoiles ou construire dans son atelier des machines bizarres qui ne servent à rien. Il pouvait rester enfermé des journées et des nuits entières. On l'entendait crier des gros mots ou bien rigoler aux éclats. Un jour, il paraît même qu'il a failli tout faire exploser. Dans sa jeunesse, on raconte qu'il avait fait des voyages fabuleux. Il se vantait souvent de connaître l'Amérique, l'Afrique et même d'être allé jusque sur la muraille de Chine. Ma mère dit qu'il voyageait surtout dans sa tête. Quoi qu'il en soit, malgré ses colères, il était drôlement gentil, oncle Ernest. Et surtout, il était doué pour raconter des histoires aux enfants. Ses histoires, comme toutes ses expériences, il les notait dans un gros livre rempli de photos, dont il ne se séparait jamais et qu'il appelait fièrement son album secret. Ma mère pense que cet album s'est perdu, bien qu'il est quelque part au grenier, et que de toute façon, cela n'a plus aucune importance, comme bien d'autres choses du passé. En tout cas, si un jour vous avez la chance de le trouver, soyez prudent, car l'oncle Ernest était décidément un drôle de personnage. C'est pas trop tôt, voilà enfin de la visite. Après toutes ces années, j'ai bien cru que ce bouquin allait moisir dans le grenier. Bon, maintenant, pas de temps à perdre, Moussaillon. Tu as découvert l'album, je vais te confier un secret. À l'intérieur, il y a un trésor bigrement bien caché. Pour le trouver, il va falloir te servir de toute espèce d'outils, d'objets et d'animaux que cet album a conservés. Bon, maintenant... À toi de jouer, mais attention aux mauvaises rencontres. Bonne chance quand même. Au secours! Au secours! Oh, salut! Oh, je suis content de te voir. Mon nom est Tom. Je suis enfermé dans ce livre depuis des années. Ernest est tellement distrait qu'il m'a oublié à l'intérieur avec le trésor. Si tu le trouves, je pourrai enfin m'échapper. Je t'en prie, sauve-moi! Heureusement... Je connais cet album comme ma poche. Je vais donc pouvoir t'aider. Appuie sur le sifflet placé sur la page. Bien. Lorsque tu auras besoin d'aide, il suffira de cliquer sur le sifflet qui vient d'apparaître en bas. Maintenant, avant de quitter cette page, déplace le galet sur le fond noir à côté du livre. Je crois que tu vas en avoir besoin. Bien. Maintenant, bonne chance. Et surtout, si tu as besoin d'aide, n'oublie pas de cliquer sur le sifflet. Dans cet album, la plupart des photos ont été mangées par les cloportes. Tu vois, ici, il manque deux photos. Celle d'une grenouille et celle d'un galet. Prends l'appareil photo et pars à leur recherche. En complétant l'album, tu accéderas ainsi à de nouvelles pages. Ah ! J'oubliais, pour te placer dans le livre, sers-toi des marque-pages situées en haut et en bas. À bon entendeur, salut! Tu viens de mettre en route l'appareil photo?
Il se recharge après chaque photo en cliquant sur son image placée en bas du livre. La photo d'un objet ou d'un animal est réussie lorsque la légende apparaît sur le bord de l'image. Photo de grenouille, photo de galets. Une fois ces photos collées, un passage secret s'ouvrira. Te voici dans la salle de cinéma. Pas de trésor à chercher ici. Seulement un projecteur qui te permettra de regarder quelques films. Tu en trouveras d'autres dans certains endroits de l'album. Place-les dans le projecteur. Il se mettra automatiquement en route. Un conseil, n'écoute pas trop ce que les gamins peuvent raconter à mon sujet. Dans ce bouquin, j'ai réussi à élever des tas de bestioles marrantes. J'ai tout noté de leur comportement et leur langage ne m'est plus inconnu. Mais, trêve de bavardage, il s'agit de continuer le boulot. Dans ces pages se cache une porte secrète. Il faut trouver la porte, mais aussi le code qui permettra de l'ouvrir. Le code secret de la porte apparaîtra lorsque les photos manquantes seront là. Les cloportes sont un peu embêtants car ils mangent tes photos, mais ils se révèlent très utiles quand il y a trop de photos dans l'album. Bravo Moussaillon, tu te rapproches du but. Il te faut maintenant deux nouvelles photos. Des fleurs et un citron. Cela va demander un peu d'effort, tout de même. Pour faire pousser les fleurs, il faut trois éléments. D'abord de la terre. Des graines, bien sûr, mais aussi de l'eau. Le citron est un insecte jaune, comme le fruit du même nom. Il y a ici un passage secret qui mène au laboratoire. Tu pourras y faire des tas d'analyses et des expériences étonnantes. Pour y accéder, il va falloir tout d'abord déplacer les grosses pierres, mais tu ne pourras pas réussir sans aide. Sous les pierres se trouvent des cadrans. Tourne-les face au nord, la page alors s'ouvrira. Les insectes sont très forts et certains soulèvent jusqu'à 500 fois leur poids. Dans le coffre de cet atelier,
tu trouveras un outil dangereux, indispensable pour ouvrir certaines pages. Mais ce coffre est bien fermé. Il faut absolument réussir à l'ouvrir. À toi de trouver comment. Quand il est 9h35, le coffre s'ouvre toujours 35 minutes plus tard. Le marteau-piqueur se recharge après chaque utilisation en cliquant sur son image en bas du livre. Vise bien et clique sur l'endroit où tu veux t'en servir. Au cours de mes nombreux voyages, j'ai fait pas mal de photos extraordinaires, notamment lorsque j'ai traversé l'Égypte pendant la guerre. Mais comme tu le vois, ces photos ont disparu. Pour trouver la momie, il faut d'abord se rendre dans un désert. Il y a un moyen simple d'y aller à partir de cette page. À toi de le trouver et de revenir coller ici les photos qui manquent. Pour se rendre dans le désert, une solution. Trouvez d'abord un dromadaire. Comme prévu, le dromadaire t'a conduit dans les pages du désert. Il y a ici un mécanisme secret qui permet d'accéder au tombeau de la momie. À toi de le trouver. Le scorpion se déplace toujours quand il s'agit de défendre son territoire. Le scorpion t'empêche de déplacer le papier sur lequel il est posé. Cherche rien de l'éloigner. Félicitations! Tu as réussi à trouver le passage secret qui mène au sarcophage. La momie à photographier se trouve sans doute à l'intérieur, mais les scorpions la protègent et t'empêchent d'ouvrir le sarcophage. Il n'y a qu'un moyen de les faire disparaître. Allez, à toi de jouer! Les scorpions n'ont peur de rien sauf du feu. Tu viens d'allumer au bout de ton curseur à une durée de vie limitée. Quand elle s'éteint, tu peux la rallumer en cliquant sur l'image du feu en bas du livre. De trouver le premier gant. Quand tu auras trouvé le deuxième, tu pourras prendre les animaux dangereux ou fragiles. Moussaillon, te voici au-dessus de l'île au trésor. Clique sur la longue vue et déplace-toi dans le hublot. Tu pourras ainsi explorer l'île dans ses moindres recoins. C'est le moment de te servir du détecteur de métaux pour trouver l'endroit où le trésor est caché. Pose-le à côté du hublot sur l'emplacement qui lui est réservé. Il se mettra alors en marche. Si toutefois tu n'as pas le détecteur, pars tout de suite à sa recherche. Il se trouve dans un coin obscur de l'album. Peut-être que tu ne l'as pas encore découvert. Ici, je te confie une étrange et périlleuse mission.
rapportait dans cette page la photo d'un dragon. Pas facile à trouver? Les anciens racontent que cet animal vit sur une planète lointaine. Prépare-toi à faire un long voyage. La porte de cette page conduit vers une fusée. Sans la clé, tu ne peux pas l'ouvrir. En général, le cellier conduit à la cave et c'est dans l'obscurité des caves que se cachent les souris. Cela tombe bien, Moussaillon, puisque ton objectif est justement de revenir dans cette page avec une photo de souris. Bon courage. Pour se rendre dans la cave, il faut faire des trous dans la page à certains endroits. Un mollusque peut indiquer où creuser. Maintenant dans la cave? La souris se trouve sous cette page dans l'obscurité. Pour y accéder, il va falloir employer les grands moyens. Si tu as trouvé le feu quelque part dans l'album, alors allume le bout de mèche afin de faire exploser la dynamite au centre de la page. Mais attention, cela n'est pas suffisant. Chaque fois que la mèche ressort à la surface, elle risque de s'éteindre si tu ne la rallumes pas tout de suite avec ta flamme. Félicitations! Te voici maintenant dans le souterrain! C'est ici que vit la souris. Pour réussir à la photographier, il faut certaines conditions et surtout bien viser car celle-ci est rapide comme l'éclair. Réussir à l'attraper n'est pas facile non plus. La souris n'apparaît que quand elle est sûre de ne pas être observée.
Félicitations, Moussaillon! Voici la statuette aux yeux blancs. Avec les 6 autres statuettes, tu pourras t'emparer du trésor. Conserve-la précieusement. Bravo! Te voici dans le laboratoire. Tu pourras faire ici toutes sortes d'observations et d'expériences étonnantes. Apporte un par un les animaux ou les objets contenus dans l'album. En les posant sur la plaque en bas de l'écran, tu déclencheras l'analyseur qui te donnera des indices très précieux pour résoudre certaines énigmes. Tu pourras également faire des expériences étranges. Mais pour éviter les mauvaises surprises, manie les fioles avec prudence. Du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Alors, j'espère que tu vas le trouver bientôt, ce trésor. Je m'ennuie tout seul dans ce trou. Avant d'atteindre la fusée, il faut être capable de la piloter. En particulier, d'éviter un danger fréquent dans l'espace, les météorites. À toi de jouer. La porte conduisant à la fusée ne s'ouvrira que quand tu auras détruit 10 météorites sans te faire percuter par l'une d'elles. Voici enfin le moment où ma fusée va pouvoir décoller. À gauche, tu as la fusée en pièces détachées. Pose chacune des pièces une par une derrière le hublot sur la page de droite. Mais attention, il faut respecter l'ordre de montage. Commence par les pièces situées en bas
et monte-la progressivement. N'oublie pas ensuite les petites pièces situées sur les côtés. Une fois la fusée montée, ce plan t'indique la constellation vers laquelle elle doit se diriger. Pour la faire décoller, il faut maintenant placer précisément sur l'ardoise le bijou correspondant à la constellation du dragon. Tu le trouveras quelque part dans l'album. Il faut rapporter dans cette page la photo du champion de l'album. Rends-toi sur la piste de course. Tu pourras y organiser des compétitions qui détermineront le vainqueur toute catégorie. Une fois ce champion trouvé, rapporte sa photo sur cette page. Une surprise t'attend. Comme dans la fable du lièvre et de la tortue, le vainqueur n'est pas toujours celui qu'on croit. Attention, tu n'as peut-être pas encore trouvé tous les animaux de l'album. Tu trouveras sous cette page un objet indispensable pour t'emparer du trésor. Pour y accéder, il va falloir faire preuve d'observation. Clique sur la clé musicale pour démarrer l'épreuve et écoute bien mes recommandations. Bon courage. Observe bien les notes jouées par la flûte. Maintenant, à toi de jouer les mêmes notes. Bravo! Tu peux passer maintenant à la partition suivante. Observe bien les notes jouées par la flûte. Maintenant, à toi de jouer les mêmes notes. Bravo! Tu peux passer maintenant à la partition suivante. Observe bien les notes jouées par la flûte. Maintenant, à toi de jouer les mêmes notes. Bravo! Tu peux passer maintenant à la partition suivante. Observe bien les notes jouées par la flûte. Maintenant, à toi de jouer les mêmes notes.
Tu peux passer maintenant à la partition suivante. Observe bien les notes jouées par la flûte. Maintenant, à toi de jouer les mêmes notes. Changement de décor. Après les douceurs musicales, voici un autre genre d'activité. Aide vite les cloportes à atteindre leur but en leur évitant de se faire raser. En grignotant l'emballage au centre de la page, ils te dévoileront un objet indispensable pour ouvrir le trésor. Quand je te disais que ces petites bêtes sont très utiles. Félicitations, Moussaillon, tu as brillamment réussi cette nouvelle épreuve. Voici la statuette aux yeux rouges. Avec les 6 autres statuettes, tu pourras t'emparer du trésor. Conserve-la précieusement. La machine bizarre au centre de cette page est une balance. Je l'ai fabriquée moi-même pour peser les objets et les animaux de l'album. Cette balance renferme un lourd secret. À toi de le découvrir. 120 grammes sur le plateau de la balance te conduiront vers la statuette aux yeux noirs.
S'il te plaît, dépêche-toi. Je ne peux plus rester enfermé encore très longtemps dans ce vieux bouquin. Je vois que tu sais compter, Moussaillon. Voici une usine un peu spéciale. Tu dois conduire à leur destination les charges X, Y ou Z en orientant les tapis roulants dans la bonne direction. Fais attention, chaque fois que tu te trompes, les charges disparaissent. Et c'est embêtant, car leur nombre est limité. Lorsque toutes les ampoules seront allumées, tu seras grandement récompensé. Cette page permet d'accéder à la mare, au fond de laquelle se cache un objet indispensable pour ouvrir le trésor. Pour ouvrir le hublot, il n'y a pas 36 solutions. L'arrosoir que tu viens de prendre se remplit après chaque utilisation. Clique sur l'endroit que tu souhaites arroser. Il existe dans cet album un moyen pour ouvrir le hublot. Bravo ! Te voici au-dessus de la mare. Tu trouveras au fond de l'eau l'objet précieux que tu recherches. Pour pouvoir le prendre, il faut vider la mare en touchant le bouton rouge situé sur la rive du haut. Tu ne pourras pas le faire seul. Il faut trouver un animal suffisamment expérimenté pour traverser la mare de bas en haut.
réussi cette nouvelle épreuve. Voici la statuette aux yeux bleus. Avec les 6 autres statuettes, tu pourras t'emparer du trésor. Conserve-la précieusement. Tu peux ici organiser des courses. Place un animal dans chaque box et appuie sur le pistolet pour donner le départ. Conserve le vainqueur pour le confronter à de nouveaux animaux. Recommence autant de fois que nécessaire. Tu pourras ainsi connaître le champion toute catégorie et le prendre en photo. Dans ce carnet de bord qui t'est réservé, tu pourras créer à ton tour ton album secret. Tu pourras y apporter tes photos, mais également t'en servir pour ranger les objets, les animaux et les statuettes trouvées au fil de l'aventure. Clique sur l'imprimante. Elle te permettra d'imprimer tes pages et de créer ainsi un véritable album. Le compteur en haut à droite te permet de circuler dans les 5 doubles pages du carnet de bord. Tu viens de mettre en marche l'outil permettant d'imprimer. En cliquant sur son image en bas du livre, tu pourras imprimer chacune des pages de l'album sur ton imprimante. Félicitations, Moussaillon! Grâce au champion, tu as obtenu la statuette aux yeux orange. Conserve-la précieusement. Avec les 6 autres, elle est indispensable pour ouvrir le trésor. Pour la faire décoller, il faut maintenant placer précisément sur l'ardoise le bijou correspondant à la constellation du dragon. Tu le trouveras quelque part dans l'album. Pour photographier un dragon,
Il faut être très patient. Félicitations, tu as gagné la statuette aux yeux jaunes. Conserve-la précieusement. Avec les 6 autres, elle est indispensable pour ouvrir le trésor. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton analyse du sujet. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Analyse du sujet en cours. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. Bien joué! Maintenant, voici le nouveau défi qui t'est réservé. Cette page renferme un mécanisme secret que seule une mouche peut actionner.
À toi de l'aider à traverser la toile jusqu'à la lumière qui clignote. Mais attention, cela n'est pas sans danger. Si la mouche se fait manger par l'araignée, tu en trouveras d'autres en cliquant sur la boîte. Voici une statuette magique nécessaire pour ouvrir le trésor. La statuette aux yeux verts. Conserve-la précieusement. Le plus difficile, réussir à ouvrir la porte blindée qui le protège depuis des années. Celle-ci ne s'ouvrira que lorsque les 7 statuettes magiques seront posées sur leur emplacement. Si tu ne les as pas encore toutes trouvées, pars à leur recherche. Eh oui, le trésor d'Ernest ne s'offre pas au premier venu.
zéro. Bon, matériau. Bon, matériau. Gagner la statuette aux yeux noirs. Conserve-la précieusement, avec les 6 autres, elle est indispensable pour ouvrir le trésor. De pouvoir sortir de là après toutes ces années. Oh, combien de fois j'ai cru attraper un torticolis ! Grâce à toi, me voilà enfin libre ! Bravo et merci ! Je ne t'oublierai jamais. Bravo, tu es un as, Moussaillon. Tu as trouvé le trésor. Je suis vraiment fier de toi. À bientôt pour de prochaines aventures. Amicalement, Oncle Ernest. Avait un nom qui s'appelait Ernest. C'était vraiment un drôle de personnage. Certains le prenaient pour un génie, d'autres disaient qu'il était carrément cinglé car il passait son temps à faire des choses inutiles. Par exemple, élever des insectes, compter les étoiles ou construire dans son atelier des machines bizarres qui ne servent à rien. Il pouvait y rester enfermé des journées et des nuits entières. On entendait crier des gros mots ou bien rigoler aux éclats. Un jour, il paraît même qu'il a failli tout faire exploser.
En sa jeunesse, on raconte qu'il avait fait des voyages fabuleux. Il se vantait souvent de connaître l'Amérique, l'Afrique, et même d'être allé jusque sur la muraille de Chine. Ma mère dit qu'il voyageait surtout dans sa tête. Quoi qu'il en soit, malgré ses colères, il était drôlement gentil, oncle Ernest. Et surtout, il était doué pour raconter des histoires aux enfants. Ces histoires, comme toutes ses expériences, il les notait dans un gros livre, rempli de photos, dont il ne se séparait jamais et qu'il appelait fièrement un album secret. Ma mère pense que cet album s'est perdu, ou bien qu'il est quelque part au grenier, et que de toute façon, cela n'a plus aucune importance, comme bien d'autres choses du passé. En tout cas, si un jour vous avez la chance de le trouver, soyez prudent, car l'oncle Ernest était décidément un drôle de personnage. L'oncle Ernest était vraiment l'attraction du village. Quand il le voyait arriver, tous les gosses accouraient pour l'observer ou bien pour l'écouter raconter ses histoires. On disait qu'il possédait un fabuleux trésor rapporté d'une île lointaine. Cela l'amusait beaucoup d'entretenir la rumeur, laissant entendre que celui qui trouverait son trésor n'était pas encore né. Il avait toujours sur lui son album secret, et tous les gosses rêvaient de lui voler, persuadés qu'à l'intérieur se trouvaient les explications menant au trésor. Un jour, alors qu'il pensait ne pas être observé, on l'a vu sortir de son atelier tout excité. Il tenait dans ses mains une étrange statuette et criait « Celui qui trouvera les 7 statuettes magiques pourra ouvrir le trésor !» On a pensé « Ça y est, cette fois-ci l'oncle Ernest est vraiment devenu zinzin !» L'oncle Ernest disait que la solution de beaucoup de choses réside dans l'observation de la nature. Il pouvait passer des journées entières à étudier les coccinelles, capturer les scorpions ou bien contempler les araignées. Mais la plus grande partie de son temps était consacrée à ses drôles d'inventions, et notamment son album secret. Il en était très fier et répétait à qui voulait l'entendre que cela serait sans doute sa plus belle invention. En été, on l'apercevait dans la cour dessiner toutes sortes de plans, assembler minutieusement des mécanismes compliqués qu'il prenait soin de photographier au cas où quelqu'un viendrait lui chipper. Un jour, il oublia sur sa table de travail la carte d'une île étrange et deux photos. L'une représentait un scorpion et l'autre une momie. À coup sûr, ces documents doivent être précieux pour dénicher le trésor. Celui qui trouvera l'album secret devra comprendre comment s'en servir. Des tas de légendes circulaient au village concernant l'oncle Ernest. On le soupçonnait par exemple d'avoir rapporté de ses nombreux voyages plein de bestioles bizarres dont il se servait pour faire peur aux enfants. On l'a même vu parler à son album secret, comme si à l'intérieur se trouvait un animal apprivoisé. Quand il se mit en tête de construire une fusée, les gens du village commencèrent à s'inquiéter, disant que ce fou d'Ernest ne réussirait qu'à provoquer des orages. Pourtant, lorsqu'après bien des essais, il disparut du village, on se posa plein de questions. Peut-être avait-il explosé avec sa fusée? Peut-être était-il reparti dans son île lointaine? On fut quand même soulagé de le voir revenir quelque temps plus tard. Il annonça solennellement que les Américains s'intéressaient à ses découvertes et qu'il lui faudrait dorénavant protéger son album secret. En tout cas, une chose est sûre. L'oncle Ernest était en avance sur son temps. Un jour, en fouillant dans le grenier, j'ai retrouvé enfin l'album secret de l'oncle Ernest.
J'étais toute excitée en pensant à toutes ces années pendant lesquelles l'album était resté fermé. En le parcourant, je n'ai pas saisi la signification de toutes ces pages. Par contre, j'ai eu progressivement la certitude qu'avant moi, quelqu'un l'avait manipulé. D'ailleurs, je remercie aujourd'hui celui qui a ouvert tous les passages secrets menant à cette mystérieuse cachette. En voyant à l'intérieur ces vieilles pièces de monnaie, j'ai compris qu'il s'agissait du fameux trésor de l'oncle Ernest. Quand je pense qu'on l'a cherché partout pendant des années. En tout cas, depuis cette découverte, je continue souvent de monter au grenier. Et chose étonnante, il m'arrive parfois d'apercevoir, exactement à l'endroit où l'album était caché, un animal étrange que je n'avais encore jamais rencontré. Au revoir, et promets-moi de revenir.